Le père de deux des quatre enfants indigènes sauvés dans la forêt amazonienne 40 jours après le crash de leur avion est accusé par la justice colombienne d'avoir agressé sexuellement l'aîné de ses belles-filles. La justice colombienne a inculpé l'homme des délits de relations charnelles violentes aggravées et d'actes sexuels abusifs avec une mineure, selon la décision de justice survenue samedi soir dans la commune de Florencia Sud-Ouest. Il est accusé d'avoir abusé de sa belle-fille Leslie, depuis ses 10 ans, a précisé le bureau du procureur. L'accusé, Manuel Ranoc, un indien Huitoto de 47 ans, qui a été arrêté vendredi et nie les accusations, restera en détention, a-t-il détaillé. Leslie, 13 ans, a pris en charge ses frères et sœurs plus jeunes après le crash de leur petit avion dans lequel leur mère est décédée. Leslie, 13 ans, Soleni, 9 ans, Tien Moriel, 5 ans et Christin, 1 an, ont été retrouvés terriblement amaigris, 40 jours après l'accident, fin juin, dans la forêt amazonienne et ont été hospitalisés pendant un mois. À l'époque, William Castro, gouverneur du village indigène de la famille, avait déclaré à la télévision Caracol qu'il y avait des signes, selon lesquels M. Ranoc avait violé l'aîné des enfants. Une bataille a éclaté entre les grands-parents maternels et le père des deux plus jeunes enfants pour savoir qui en aurait la garde. Selon une plainte du grand-père, M. Ranoc faisait subir des violences à la mère. Décédé dans le crash.